Bienvenue sur le stand Sony du Festival Son et Image. Nous tenons ici à vous présenter le partenariat qui a été réalisé donc sur ce stand Sony afin de réaliser une black room, une salle cinéma digne de ce nom. Pour cela, nous avons réuni vraiment ce qui se fait de mieux, à la fois en termes d'audio, d'écran de projection et bien sûr de vidéoprojecteur. Donc Sony présente ici son fleuron, le VPLVW5000ES, vidéoprojecteur 4K, 5000 lumens, laser et HDR. On a souhaité associer ça ici donc avec deux marques emblématiques, Waterfall, avec Cédric, ici présent, donc un système Custom Pro intégré derrière l'écran de projection que vous avez ici, Cédric en parlera un peu plus en détail, et aussi Extreme Screen pour la partie écran de projection avec une toile de 5 mètres en format 2,40, et c'est la dernière toile de chez Extreme pour faire des toiles transsonores qui sont acoustiquement parlant transparentes. Avec un micro-tissage très fin, Franck en parlera un peu plus en détail. Donc en ce qui concerne la partie son, donc c'est un système Waterfall pour Custom Series qui est un produit relativement nouveau chez Waterfall puisque ce sont des enceintes qui sont destinées aux salles de cinéma résidentielles. Donc on est très heureux d'être ici dans cette très belle salle pour pouvoir faire des démonstrations à la fois aux professionnels et au grand public. Le système est composé de deux sub-600 et de trois LCR-300 ainsi qu'une paire d'enceintes Elora en surround. Et les visiteurs ont pu se rendre compte de l'intérêt de ce système qui est très peu compact et très performant. Je pense que le succès qu'on a rencontré là sur les jours de démo nous conforte dans le fait qu'on a vraiment un bel espace de démo. Et notre système est aussi bien servi puisqu'on a un magnifique écran transsonore de 5 mètres de base qui est vraiment exceptionnel et qui justement permet de laisser passer toute la performance des enceintes. Merci Cédric. Donc on a eu la chance de pouvoir constituer cette salle avec notre toute dernière toile de projection micro-tissée qui comporte plus de 5 millions d'interstices au mètre carré. Le fil a été spécialement traité pour permettre de conserver tout le gain et aucune dérive colorimétrique du projecteur laser de Sony. La transparence acoustique est elle aussi record pour permettre vraiment de laisser passer le moindre détail sonore et avoir une image sonore inaltérée au niveau de cette salle. Et je voulais remercier Maxime de nous avoir laissé cette opportunité et à Cédric de produire des systèmes son de ce niveau. Et vous êtes content des réactions des visiteurs jusqu'à présent ? Il faudra leur demander, mais je pense que... Globalement, tout le monde a l'air plutôt satisfait, il n'y a pas de secret, je pense qu'on peut avoir une très bonne image si derrière on a un audio qui est médiocre, une toile qui est médiocre, la magie ne va pas forcément opérer. Là on a une solution globale, écran, audio, projection, et je pense que y a beaucoup de personnes qui ont été assez impressionnées par le système qu'on a présenté ici, je pense en tout cas. La tâche n'a pas été facile pour tout le monde, on se situe entre la frontière de l'image et du son, donc quelque part il faut vraiment réussir un mariage pour ne pas altérer l'image du VW5000 ni altérer le son du système Pro Custom. Donc c'est une association, je pense, réussie. Merci messieurs.